Salut les abonnés! Aujourd'hui, on va faire un prank à Jad et à Maël. Désolé. Bref, aujourd'hui, on fait un prank à Jad et à Maël. Il y a plein de bonbons dedans. Oh non, t'abuses là! Ça t'abuse! C'est le paquet que j'ai ouvert. Bon. Désolé. Eux, ils arrivent même pas à tenir 10 minutes sans manger des bonbons, donc... On fait comme si on fait une sieste et tout. On va rester dans la chambre. Par contre, on va mettre des caméras dans la cuisine où il y aura les bonbons et au salon. Pour pouvoir tout filmer. Ouais, du coup, là, je vais mettre une GoPro quelque part et je vais mettre le téléphone de Laurine quelque part caché, tout ça. Ils vont pas savoir, je vais cacher où ils vont pas voir. Bon, là, il y a les bonbons qui sont tombés, là. Je suis en train de ramasser, hein. C'est une livrée, là. Je fais n'importe quoi. Bon, du coup, let's go! Là, on va cacher les bonbons en haut. Alors là, s'ils arrivent à les prendre, c'est qu'ils sont vraiment dingues, ces enfants. Moi, je pense qu'ils sont prêts à tout pour les bonbons. Mm. On fera de toute façon. Attends, vas-y, je vais te poser les caméras. Filme. Tiens. Du coup, la GoPro, elle est déjà allumée, ok? Parce que de base, en fait, ça s'allume de face et derrière. J'ai désactivé de face parce qu'ils peuvent cramer. Du coup, je vais placer là. Je vais placer là. Voilà. J'aime le grand-oncle. Samedi, ça va voir tout. Ouais, ça va voir et tout. Bon. Attends, j'ai oublié quelque chose. Je dois mettre une caméra au salon. Ouais. Du coup, la caméra, je l'allume. Même si ça prend 2 heures, ça filme, on s'en fout. Bon, vas-y. Hein? Voilà. Jacques, viens, Maël. Est-ce qu'il a déposé ses chaussures sur la table? Mes chaussures de malaise, c'est toi qui as déposé ça là. Prends tes petits jouets là, tu mets dans la chambre. Mets dans la chambre, allez dans la chambre, viens tout ça. Dans la chambre, ça ne reste pas ici là. Venez, il y a un truc à vous dire. Vous voyez là, tu vois, maman est dans la chambre. Elle fait sa sieste et tout. Donc du coup, elle dort déjà. Fais pas trop de bruit, ok? Par contre, je vais la rejoindre. Parce que aussi, je suis très fatigué là. D'accord? Vous restez tranquille, vous pouvez regarder la télé si vous voulez. Vous pouvez jouer, faites ce que vous voulez. D'accord? Par contre, quand tu souris, elle sourit. C'est toi qui fais sourire. Comment ça, je fais sourire? Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y a des bonbons. Des bonbons que j'ai achetés ce matin, que vous avez choisi à Carrefour Market. Ok? Je sais que vous voulez manger les bonbons, tout ça, mais vous ne touchez pas aux bonbons. D'accord? Vous ne touchez pas aux bonbons. Vous pouvez boire. La boisson, tout ce que vous voulez, mais pas les bonbons. Les bonbons, c'est ce soir. Dès qu'on va se réveiller, tout ça, on va manger et vous pouvez prendre les bonbons que le soir. D'accord? Nous, on a très marché toute la journée, tout ça, on est très fatigué. Parce que depuis ce matin, on est sorti, on avait fait les courses, on est au marché, on est passé vers la plage, on a mangé des glaces, tout ça. Vous avez déjà mangé trop de sucreries. Donc, du coup, vous ne devez pas manger les bonbons, je répète encore. D'accord? Bon voilà. Bon, je vous laisse, moi je vais aller dans la chambre. Donc à vous de rester tranquille. Eh hey!
Pas de bêtises, hein. Oui. Tu n'embêtes pas Jacques, toi. Oui. Et tout si tu n'embêtes pas Maël. D'accord? Oui. Ok? Oui. Alors, vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Just
Faites quoi là? Hein? Faites quoi là? Non? Là, je t'entends plus là. Faites quoi? Bah, on mange des bonbons. Vous mangez quoi, les bonbons? Et toi, tu rigoles? Qui est allé chercher les bonbons? Mais Maëlle, tu manges avec elle, hein? C'est pas mes bonbons préférés. Ça, c'est les bonbons préférés de Maëlle? Non. Viens, c'est bien, c'est Maëlle. J'ai dit quoi avant? Je vous ai dit quoi? Je vais pas toucher aux bonbons, non? Je dis moi, toi tu dis c'est lui, toi tu dis c'est elle. C'est qui allait prendre les bonbons? En fait, elle a vu aussi. Elle a dit qu'elle a fait quoi? En fait, elle a grimpé sur le truc pour changer les bonbons. Elle a grimpé sur le truc pour chercher les bonbons? Oui, lui aussi, il m'a aidé. Il t'a aidé? Oui. Et c'est qui a eu l'idée d'aller prendre les bonbons? Qui? Moi. Toi? En plus, toi la plus grande. Et maintenant, tu dis c'est Maëlle qui a pris les bonbons. Mais c'est pas moi qui a choisi le chromosome. Et Maëlle, toi aussi, tu l'as aidé. On vous a dit avec elle. Oh là. On vous a bien dit ce soir. Je vais vous punir. Je vais vous punir. Je vais vous punir. Il n'y aura plus de bonbons. Et vous avez fait comment pour monter là-bas? En fait, ben, on a cherché partout. Vous avez cherché partout carrément? Viens, viens, venez ici, venez ici. Passez là-bas. Vous allez me montrer comment vous avez fait pour prendre les bonbons. Vous avez fait comment pour prendre les bonbons? On a grimpé et après je l'ai aidé de... Donc vous avez grimpé, tu l'as aidé. Comment ça tu l'as aidé? Je t'ai dit c'est pas bien de voler, non? C'est du vol ça. T'as vu? Mais montre comment vous montrez comment vous avez fait. Ma montre. C'est comme ça que vous avez fait. En plus, vous savez que c'est dangereux. C'est dangereux, vous pouvez tomber. Tu peux tomber, tu te casses une dent. Ah là 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 là. N'importe quoi. De toute façon, vous deux, vous auriez pu vous bloquer. Passez là-bas. Passez là-bas. Tiens le paquet de ça. Bon, là je suis pas content. Vous savez, quand je suis pas content, c'est grave. C'est grave, non? Et quand je vous punis, vous restez que dans la chambre. Pas de téléphone, pas de télé. À part que vous avez fait pipi et truc, vous allez dans le truc pour faire aux toilettes. Venez ici. Vous n'allez pas à la plage. Demain, vous n'allez pas à la plage. C'est annulé. Vous allez rester que à la maison. Que à la maison. C'est annulé là. Et on va rendre les vêtements qu'on a achetés pour vous. Voilà. Vous êtes des voleurs. À votre âge, vous commencez déjà à voler. Vous volez. Hein? Arrête le reste, c'est bon. Arrête, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est un prank. C'est un prank. On vous a pranké. Maëlle a commencé à vouloir pleurer. Mais comment ça, ça se fait pas? Ça se fait pas. Ah, mais oui. Bon, c'est bon. Attendez. Jade, attends. Bon, Jade, attends. Là, je vous ai pranké, ok? Donc, pour de vrai. Cassez sur la télécommande! C'est pas grave. Bon, ça se fait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous deux, là, si c'était pas un prank, vous allez voler des bonbons. Vous êtes des voleurs de bonbons. Mais ça donne une bataille de polochons. Hé! Hey, là, tu commences à faire la maline, hein? Une bataille de polochons. Donc, du coup. Polochons. Du coup. Ça se fait pas! Comment ça se fait pas? Du coup, ça se fait la guerre et fait la guerre! Les adultes contre les enfants! On vous a pranké, on vous a eu. La trollseuse. Elle a trollseuse.
Allez, c'est qui a une idée entre vous? C'est lui. C'est moi. Pourquoi c'était toi? Déjà, toi parle pas, vous êtes des voleurs quand même en vrai. Ah non. Oui. Puisque cette situation, oui, c'est arrivé pour de vrai. C'est arrivé pour de vrai. Oui. Il dit c'est vrai. Il dit c'est vrai. Si. On parle de vous. Hier, t'as fait quoi? T'avais pris les bonbons avec Jade, non? Aujourd'hui, on devrait pris des bonbons. Attends, mais je vais vous prendre notre caméra. Vous nous avez braqué, vous aussi. Et toi, t'as plus le droit d'y aller. Non, t'as plus le droit d'y aller. Regardez, la caméra, elle est ici. Parce que regardez, elle est ici. Il y avait la caméra qui était posée avant. Ici. Il y avait une caméra qui était ici. Bah oui, il y a une caméra. Ça a tout vu, hein. Je savais pas. Vous êtes des voleurs. Les abonnés, c'est des voleurs. Oui. C'est faux. Eux, ils nous ont prankés. Du coup, ça peut pas se faire. Et vous allez nous pranker aussi? Si vous nous prankez, vous savez ce qui se passe. La bataille contre les adultes. Vous aurez une revanche? Non, c'est ça. Jade, on va sauter. Jade. Ya ya ya. C'est la caméra.